Salut à tous, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de mes achats sur la période juillet-août 2024 au programme de la next-gen et de pièces rétro. Au niveau des jeux que je vais vous présenter, ce sont essentiellement des opportunités d'achat et non pas des jeux qui figuraient sur ma shortlist. Hormis un quand même que j'avais envie de me faire et que ben, je suis content de l'avoir récupéré, sachant que là, à l'heure actuelle, je l'ai terminé et je vous en ai fait une vidéo découverte. Donc oui, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, sachez que la plupart des jeux que je vous propose dans mes vidéos achats sont des jeux sur lesquels je fais des vidéos découvertes pour vous les présenter et pour vous donner mon avis dessus. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, voici comment je fonctionne. En tout cas, merci à tous de suivre ma chaîne, mes let's play, mes vidéos. Ça fait extrêmement plaisir et donc, comme toujours, comme souvent, j'essaye de vous remercier dans les vidéos que je vous propose parce que ça me tient quand même à cœur. Merci à tous pour votre fidélité. Sans plus tarder, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on est parti. Alors, il n'y a pas d'ordre, je vais prendre les jeux comme je les ai posés sur ma table. Alors, le premier, Labyrinth of Zangetsu sur Switch. Un jeu que je ne connais absolument pas. Il s'apparente à du RPG. Comment ils appellent ça? Des donjons crawlers ou des labyrinthes RPG. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment un nom. Oui, ça doit en avoir un, mais je l'ai peut-être pas qui me vient là de suite. Donc, c'est le genre de jeu où vous êtes sur une zone toute noire. J'ai fait un jeu similaire et je vous avais fait une vidéo découverte, c'est le Labyrinth of Refrain qui a un petit peu ce système-là, donc vous progressez et vous construisez vous-même votre propre carte, enfin vous la construisez. En avançant, elle se dévoile et voilà, des fois vous allez vous heurter à un mur, donc il faut tourner et avancer. Voilà, donc, et au fur et à mesure que vous progressez, vous avez des ennemis qui apparaissent et là vous avez tous vos personnages qui sont bon. Normalement je vous montrerai une petite vidéo sur ma gauche, sur ma droite pour vous montrer un petit peu le jeu. Alors pourquoi je l'ai pris? Ben, déjà j'ai pas beaucoup de jeux comme ça, ben, j'ai le Labyrinth of Refrain que je m'étais bien rendu fou à platiner parce qu'il était extrêmement difficile, surtout le boss caché. Et ben, là c'est une opportunité, encore une fois je l'ai payé je crois 12 euros. Il est sous blister. La boîte est en français. Hein, des monstres d'encre terrifiants ont entaché le pays. Assemblez l'équipe ultime de conscrits pour épurer les monstres et vous échapper des labyrinthes. Bon, 12 euros, un RPG que j'ai pas. Vous le savez, je collectionne tous les RPG. En fait, tous. C'est BG. Le plus possible, on va dire. Et plus que les collectionner, je les fais et termine. Enfin, du moins, j'essaye. Donc voilà. Ce jeu, 12 euros sous blister en français. Je ne peux pas évidemment passer à côté. 12 euros, je l'ai pris sur Vinted. Le jeu suivant, celui-ci fait partie des jeux, comme je vous ai dit précédemment, que je voulais absolument me refaire. Des fois, je regarde si le reflet est bon, si je suis bien centré. Ouais, c'est vidéo totale, pro, amateur, tout ce que vous voulez, mais voilà. On essaye de faire quand même des choses bien. Alors le Mario RPG, le Super Mario RPG, est un jeu donc, que je voulais récupérer. Je l'avais terminé sur émulateur à l'époque, dans sa version Super Nintendo, forcément, traduite par une fan-trad donc en français. Donc, pour rappel, c'est un mélange entre l'univers de Nintendo et les RPG de Square. Donc à l'époque Square pour moi c'était une des meilleures sociétés, j'ai dit à l'époque, et Mario, bon bah pourquoi pas faire un Mario dans un monde RPG, j'ai dit oh, c'est excellent. Malheureusement ce n'est pas sorti chez nous en France et voilà, bon, et puis j'avais entendu que le jeu devait ressortir un remake. Alors j'étais tout impatient, on va dire,
à l'idée de pouvoir me le faire. Et puis c'est chose faite. Ce jeu est vraiment très 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 bien. Je me suis régalé. On pourra lui reprocher d'être un peu trop facile. Bon, c'est un Mario. On pourra lui reprocher d'être un peu trop court aussi. Hein. Je crois que je l'ai terminé en 4 sessions de jeu. Bon, des sessions quand même assez longues, hein, de peut-être 2 heures. Voilà, mais je pense que le jeu aurait pu être un peu plus long. Et pourtant, je sais pas, sur Super Nintendo, il m'avait paru plus long. Et là, ben, je l'ai trouvé vachement court. Hop, attendez, je vais vous enlever. Voilà, pour que vous voyez bien l'intérieur. Ouais. Une jolie carte, une jolie boîte, enfin, côté intérieur, parce que côté extérieur, c'est assez sobre, assez moyenasse. Mais voilà, bon. Je vous ai fait une vidéo découverte déjà, elle est prête, elle sortira dans l'ordre que j'ai établi les vidéos découvertes. Mais voilà, celui-ci, vraiment, je me suis surpris à passer un aussi bon moment. Je vous en parlerai mieux dans la vidéo découverte. Je l'ai acheté 20€ sur Le Bon Coin. Bon, vous savez, quand vous achetez sur Le Bon Coin ou Vinted, vous avez toujours les 4€ et quelques frais de port, plus taxes pour l'acheteur. Donc ça fait du 25. Et là, l'autre 12, ça fait du 16. Ensuite, j'ai acheté le Afterimage que je suis en train de faire, donc je peux pas trop vous en parler. J'ai joué, je pense, une bonne heure. Pour le moment, je me suis fait ma petite idée. Après, ça serait dommage de vous en parler là, dès maintenant, puisque le jeu est toujours à temps de changer, que ce soit en bien ou en mal. Voilà, donc je reviendrai vers vous avec une vidéo découverte quand je l'aurai terminé. Encore une fois, celui-ci, c'était une opportunité. Il est décrit comme Metroidvania et non pas comme RPG, même si vous prenez des niveaux. Bon, donc c'est un Metroidvania qui emprunte des mécanismes de RPG. Pourquoi pas, moi j'aime bien ce style de jeu, hein. Ça me fait toujours penser à du Symphony of the Night. On en est très très loin, on en est vraiment très loin. Donc voilà, je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Je vais être honnête avec vous, après une heure de jeu, pour le moment c'est assez correct, moyennasse. J'attends de voir un petit peu le jeu où il va nous amener, parce que c'est pas en une heure de jeu qu'on se fait un avis sur un jeu. Donc voilà, à suivre. Encore une fois, vous aurez, soit à gauche ou à droite, une petite vidéo qui vous montrera un petit peu le jeu, à quoi il ressemble, histoire de vous faire un avis dessus, avant même que je sorte la vidéo découverte, même si je pense que le jeu, vous le connaissez. Alors, les jeux qui sont devant moi, là, encore une fois, ce sont vraiment des opportunités, j'avais vraiment pas prévu de les récupérer, donc ça va être assez marrant de vous les présenter. Atelier Sophie 2, sous blister, en français, l'incroyable histoire d'un rêve mystérieux, explorer le monde fantastique des rêves d'Erd Wake, un truc comme ça. Bon, la série des ateliers, c'est toujours un grand mystère pour moi, parce que j'en ai fait 3 ou 4, et sur 3 ou 4, bon, il y en a 2 qui étaient moyennasse, 2 qui étaient pas mal. Donc voilà, je me suis pris au jeu, je crois que c'était Atelier Firis, hein, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, que j'avais fait, que j'avais platiné, qui était franchement, bon, il y avait des trucs un peu, enfin, des trucs vraiment chiants, hein, pas d'autres mots. Mais bon, voilà, au point que je le platine, c'est que quand même le jeu était largement jouable. Même si j'aime pas cette limite de temps, hein, vous savez, c'est une sorte d'apprentissage. Alors, je sais pas, je connais pas les histoires de tous les ateliers, mais c'était un petit peu ça l'idée. D'apprentissage sur, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, sur 2 ou 3 mois, ou 1 an, ou 2 ans, je sais plus, hein, je sais plus. Et qu'à chaque fois que vous progressiez, bah, ça faisait avancer un peu l'heure. Hein, et que du coup, bah, vous étiez limité en temps, donc vous pouvez explorer ou récupérer des ingrédients tout le long, mais vous heurtez toujours à cette limite de temps, vous obligeant à faire les choses quand même
avec un système, enfin, comment dirais-je, un plan d'action, quoi. Vous pouvez pas vous contenter de rester dans la même caverne du début du jeu à récupérer des ingrédients pendant 3 ou 4 jours, parce que vous perdez du temps, en fait, tout simplement. Bon, celui-ci, Atelier Sophie 1, je ne l'ai pas. Voilà. C'est vraiment une opportunité d'achat. Je l'ai payé 20 euros sur Le Bon Coin. Voilà. Encore une fois, il est sous blister en français. Un RPG. Allez, j'ai dit c'est parti, on le prend. Et on verra quand ça sera le moment de le faire. Ne soyez pas impatients, ce n'est pas pour de suite. Peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, vous avez remarqué ou vous remarquerez très facilement que c'est rare que je me procure les derniers jeux qui viennent sortir. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'ils sont à leur prix maximal et que ben, j'ai déjà des jeux à faire en attendant et que du coup, je les ferai en temps et en heure. Bon, je pense que vous avez compris un petit peu le délire. Bon, il y a des rares exceptions, évidemment, mais elles sont tellement rares que, que j'en ai très peu en tête. Ensuite, il reste 3 jeux sur 3 supports différents, dont 2 jeux rétro. Allez, on va en faire un jeu rétro. Le Shining Soul sur Game Boy Advance. En français, bon, c'est une version euro, hein, donc parcourir des mondes incroyables et utiliser votre âme étincelante au service du bien. Des heures de jeu garanties grâce au mode multijoueur, voilà, ça me plaît un peu moins. Et au gameplay intense de ce jeu de rôle et d'action très acclamé. Ce jeu, je ne le connais absolument pas. Mais alors, pas du tout. D'ailleurs, je vais vous l'ouvrir comme ça, je vous le présente. En plus, j'ai même eu droit à ma petite boîte en plastique pour le protéger. N'est-ce pas merveilleux? Alors, le Shining Soul. Bon, il est en plutôt bon état. Hein. C'est pas du mint. J'ai pris ce que j'ai trouvé, hein. Déjà c'est incroyable de l'avoir trouvé. Voilà, un petit endroit un petit peu renfoncé. Voilà, mais sinon il est complet, il y a les languettes, voilà, la cartouche. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien l'avoir, même s'il n'y a rien d'exceptionnel à l'avoir. Hop. Tac, en plus il me fait trembler ce compte de jeu. Tac, et la notice, voilà, Shining Soul en français, enfin en euros quoi. Hein, voilà. Bon. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste des jeux sur console portable, hormis la Switch. Donc, ce n'est pas pour de suite que je vais le faire. En général, ça, c'est le genre de jeu que je fais quand je pars en vacances sur une courte période et que j'ai pas envie d'emporter ma PlayStation, par exemple. Du coup, je me prends soit la Switch, si j'ai un jeu qui me tente bien, soit ma Game Boy SP et je me prends un petit jeu comme ça. Voilà, donc la prochaine fois que j'aurai une opportunité de partir en vacances, c'est ce que je ferai avec donc ce Shining Soul. Je l'ai acheté 25 euros sur Price Minister. Je crois que je n'avais pas fait d'achat sur Price Minister Rakuten depuis au moins 3 ans. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Je regardais la cote d'un jeu, je sais plus ce que c'était. Et puis, je suis tombé sur un vendeur qui vendait donc le jeu qui m'intéressait sur PlayStation 4. Et il vendait également ce Shining Soul à 25 euros complet. J'ai dit, c'est quoi sa cote? C'est quoi ce jeu? Et puis, au final, j'ai vu que sa cote était plus élevée. Et que c'était un RPG, donc bon, allez, hein, c'est parti. Encore une fois, une opportunité d'achat et non pas un achat que je visais, hein, surtout que je connaissais même pas le jeu. Ensuite, on repart avec de la PS4 avec le Death End Request sur PlayStation 4, un jeu que je ne connaissais pas non plus. Apparemment, de ce que j'ai compris, il aurait, on va dire, quelques mécanismes des Persona, si j'ai bien compris encore une fois, ou alors un univers un peu sombre comme les Persona. Je ne sais pas trop si c'est l'univers ou les mécanismes de gameplay qui font penser à du Persona. En tout cas, il s'agit d'un RPG
Et putain, il est pas évident à choper ce jeu. Wow. Vraiment pas évident, même pas traduit en français. Et là, ben, je l'ai chopé à 27 euros. Donc sur PS4, oh, putain, c'est. J'ai vraiment regardé, c'était vraiment pas évident de le trouver. Je l'ai pris sur Vinted. Mais voilà, bon, c'est Death and Request, je vous dis, regardez, c'est pas évident, évident de le trouver. Donc je sais pas, à tester, sur PS4, son tour viendra très rapidement. À noter que, bah, avant de vous sortir le dernier jeu, que bah, là je suis de retour de vacances, j'en ai profité pour terminer 3 ou 4 jeux, bon, après c'est des jeux comme Super Mario RPG, j'ai terminé en 4 sessions de 1h30, 2h, donc vous imaginez que c'est allé assez vite. Le prochain jeu que je vais vous montrer, je vais terminer également. Là, premier jeu que je vois, non, je n'ai pas fait. J'ai terminé le Eternite sur PS5. Je vous avais fait une vidéo. Alors, j'ai terminé, je l'ai platiné. Hein. Bon, le jeu était super court. Donc, je vous avais fait une vidéo découverte. Et j'en ai terminé un autre que je vous ai fait une vidéo découverte. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Ah ben si, je vous l'ai montré dans une vidéo d'achat, bon, je vous le dis, c'est Oninaki sur PS4, très court aussi. Pareil, platiné, vidéo découverte qui est prête. Voilà, je suis normalement prêt à vous proposer des vidéos. Voilà. J'ai une ou deux autres idées de vidéos qu'il faut que je vous fasse. Ça pourrait être sympa. Encore une fois, c'est vraiment pour passer un moment, hein. Il n'y a rien de déceptionnel dans ces vidéos, mais ça sera vraiment pour passer un bon moment, que ce soit pour vous ou pour moi en fait, hein, parce que ça me fait plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Le dernier jeu, il s'agit d'un jeu que je cherchais depuis très 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 longtemps, mais malheureusement le jeu vaut un bras. Il s'agit du Soul Blazer sur Super Nintendo. Alors, je vous ai fait une vidéo découverte, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Juste pour vous dire que, par le passé, hein, moi j'ai vraiment commencé les jeux vidéo avec la Game Boy et la Super Nintendo. Et sur Super NES, au niveau des actions, enfin des RPG tout court, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs aimer les RPG, je connaissais le Secret of Mana, le Secret of Evermore et le Illusion of Time. Voilà. C'était trois jeux que je possédais et trois jeux que alors, je ne les ai pas possédés d'entrée. Hein. J'ai d'abord eu le Illusion of Time, après j'ai eu le Mana et enfin j'ai eu le Evermore. Trois jeux qui sont excellents et il faudra à chaque fois que je vous fasse une vidéo dessus. Mais le temps me manque et il faut que ça me vienne comme ça. Et en plus de ces trois jeux, il doit en exister d'autres, mais traduit en français, il y en avait trois autres. Il y avait le Terranigma, il y avait le Mystic Quest et il y avait le Soul Blazer. Trois jeux que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Et voilà, au fur et à mesure que le temps passe, la PlayStation est sortie et ces jeux-là sont sortis en fin de vie quand même de la Super NES. Alors je parle de Terranigma et de Soul Blazer. Hein. Mystic Quest, il est quand même sorti assez tôt, il me semble. Je ne connais pas les dates. Et tout ça pour vous dire que le Soul Blazer, c'était un jeu que je ne connaissais pas, que j'ai fini par en entendre parler, mais genre 15 ans plus tard, que j'ai dit, bon, ben voilà, bon, si un jour j'ai l'occasion. Et puis je l'ai fait sur l'émulateur, un petit peu au même moment que le Mario RPG, hein, donc le Soul Blazer, c'était impossible de... Personne ne le connaissait, personne ne le vendait, enfin du moins, vous allez dans le magasin, il n'y avait que du PS1, PS2, il n'y avait pas de jeu Super NES. Et là, ben, j'ai eu l'opportunité, bon, je l'ai quand même payé, je l'ai payé, je crois, 60 euros, peut-être un peu plus, hein, entre 60 et 70 euros, je l'ai pris sur Le Bon Coin, il est en français, en plus c'est écrit là, ici, hein, il est écrit FRA. Pour les jeux Super NES, j'ai le petit tournevis pour ouvrir les deux vis et pour regarder s'il s'agit d'un vrai jeu et non pas d'un carte mode, hein. Pour rappel, les carte mode, ce sont des jeux
dont la PCB, hein, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez si c'est le cas, a été... En fait, on enlève le jeu qu'il y a et on en met un autre. Voilà. Mais ce n'est pas le jeu d'origine. Donc, il y a plein de câbles de tous les côtés. Je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne suis vraiment pas un spécialiste du tout. Mais à partir du moment où vous voyez des câbles sur le circuit, vous savez que c'est un carte mode. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors, parce que si ça avait été un carte mode, je l'aurais payé une dizaine d'euros. Là, bon, ok. Mais si je dois le payer une soixantaine, 70 euros, je veux le vrai jeu. Ce qui est normal. Voilà. Alors, je vais payer le prix du vrai jeu. Si je paye le prix du carte mode, je m'attends à avoir un carte mode. Bref. Donc, le Soul Blazer est un action RPG. Sorti par Enix, il me semble. Alors là, c'est Ubisoft, mais je crois que c'est Enix qui est aux commandes. Et donc, je vous en parlerai mieux sur la vidéo découverte. Je suis très content de l'avoir parce que ça fait partie des RPG que je cherchais pour ma collection. Alors évidemment, pour avoir la boîte et la notice, ça sera une autre paire de manches. Hein, le Evermore, je l'ai en boîte et notice. Le Mana, je l'ai en boîte. Le Illusion of Time, je l'ai en boîte aussi. Hein. C'est des notices qui sont extrêmement rares quand même pour des jeux comme ça. Et voilà, donc bon. À suivre, en tout cas, celui-ci, il me tarde de vous sortir la vidéo découverte pour que vous me fassiez part de votre connaissance sur le jeu, de savoir si vous le connaissez, si vous l'avez fait, si vous aviez l'intention de le faire ou pas. En tout cas, celui-ci, j'ai passé un très bon moment dessus, mais on en reparlera plus tard. Allez, on va conclure cette vidéo. J'espère qu'elle fait quoi, une vingtaine de minutes, un truc comme ça. Donc, pour rappel, le Labyrinth of Zangetsu, donc une espèce de labyrinthe RPG. Hein. Le Super Mario RPG, encore une fois, foncé. C'est pour... on pourrait être tenté de dire que c'est pour les enfants. C'est tout gentil, c'est tout mignon, c'est facile. Mais vous vous prenez pas la tête, il y a de l'humour. Vraiment, vraiment un bon jeu, je vous le conseille vivement. Le After Image, donc, que je suis en train de faire, donc à suivre. On verra un petit peu ce que ça vaut. Le Death and Request, encore une fois, à l'opportunité. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, apparemment... J'ai entendu dire qu'il y avait du Persona dans ce jeu, dans cette licence. À suivre. L'Atelier Sophie 2. Bon, ce n'est pas pour de suite, mais je me le ferai. Je verrai un petit peu ce qu'il vaut et je reviendrai vers vous. Le Shining Soul. Alors ça, encore une fois, un grand mystère. Je ne connaissais pas. Alors la série des Shining, je sais que c'est des tactical RPG. Donc c'est ce qui m'inquiète un peu, mais quand on voit l'arrière de la boîte, on dirait que c'est un jeu d'aventure. Donc alors, je sais pas si vous le verrez bien, hop, on dirait un jeu d'aventure. Bon, à suivre, bah, encore une fois je suis bête, c'est vrai que je vais vous mettre la vidéo du jeu. Donc bon, pour la collection, et enfin le Soul Blazer, pareil, pour la collection, je le voulais absolument. De toute façon tous les jeux sont pour la collection, et je suis très content. Voilà, bah écoutez, c'était mes rentrées de juillet-août. J'espère que pour septembre-octobre, il y aura des jeux qui figureront sur ma shortlist. Des surprises, hein, c'est toujours ça qui est intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ces jeux, si vous les avez faits, si vous les connaissez. Si ça vous donne envie de les acquérir. Dites-moi un petit peu aussi, je suis toujours curieux de savoir ce que les gens achètent, ce mon petit délire aussi. Hein. Et puis, écoutez, portez-vous bien, merci pour votre fidélité, et puis on se retrouve très bientôt pour le programme habituel. À la prochaine, ciao ciao.